L'image n'est pas nette, peu leur importe. Oui, super bien. C'est la première fois depuis 5 semaines qu'ils se voient, le grand-père, ses 2 filles et ses 2 petits-enfants. Jean-Pierre Renoux a 83 ans. Mi-février, il se fracture le col du fémur. Démarre alors un long et douloureux parcours pour lui et pour ses proches. Début avril, alors qu'il se remet lentement de son opération, on le diagnostique positif au Covid-19. L'infectiologue nous annonce que compte tenu de son état, à tout moment ça peut s'aggraver. Et si ça s'aggrave, ils ne pourront pas lui donner la réanimation, le mettre en réanimation. Il serait trop faible, ça serait trop douloureux. Le téléphone de la chambre d'hôpital sonne souvent occupé. Jean-Pierre Renoux le raccroche mal. Il est désorienté. Les infirmières ne sont pas suffisamment équipées pour rentrer dans sa chambre 5 fois par jour. C'est pourtant ce qu'exige son traitement contre la maladie de Parkinson. Ses troubles s'aggravent et donc on nous apprend qu'il est attaché par une sangle au niveau du bassin et par les mains. Et ça, mon papa, à la fin, le vit très mal. Et lorsque nous l'appelons, il gémit et il hurle en nous disant « Venez me libérer !» Et c'est atroce parce que nous n'avons aucun contact, seuls ses appels d'angoisse. Après 2 semaines passées dans une unité Covid à l'hôpital de Grasse, l'octogénaire a pu intégrer lundi une maison de convalescence. Il va mieux, mais il reste placé à l'isolement encore 30 jours au moins. Puis, il rentrera chez lui dans son appartement si la résidence pour seniors accepte de reprendre un patient guéri du Covid. La direction hésite. Mais l'après, sa fille préfère ne pas y penser. C'est de l'espoir qu'elle veut lui insuffler. Il revient de tellement de loin et c'est un tel, pour nous, héros que voilà, on veut le soutenir et l'accompagner au mieux. Tout à l'heure, ils n'ont pas fait de grands discours. Alors papy, les petits ont préféré chanter juste une petite chanson. Une chanson pour un soir, une chanson pleine d'espoir. Bisous à Dorian et bisous à Rose. Merci papa, prends soin de toi, gros bisous.